Bienvenue à l'Hôtel de Ville de Paris pour le hacking de Paris, l'Hôtel de Ville 2017. Il y a un monde dingue, il y a un bruit dingue et c'est plutôt bon signe ça. C'est clair. Le hashtag de cette année, c'est hacking Paris 2024. Pourquoi Paris 2024? Tiens, on se pose un peu la question. Il y a une forme de bataille qui est lancée, ça y est, pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, évidemment, une bataille avec d'autres villes, Los Angeles et d'autres. Et comment on parle de sport, on a fait dans le lourd question champion avec Bruno Marie-Rose et Taïkris. Salut à vous deux, bonjour Bruno Marie-Rose. Bonjour. Vous êtes le président de la Ligue Nationale d'Athlétisme, mais tous ceux qui vous connaissent aussi pour les records du monde que vous avez battus il y a quelques années, on va dire ça. Ouais, on va dire ça. Le 4x100m en relais, donc 4x100m et puis le 200m en salle. Vous avez battu ces deux records du monde là, vous avez fait une carrière exceptionnelle et vous êtes à la tête de la Ligue Nationale d'Athlétisme depuis 7 ans maintenant. Oui, depuis 2009, oui, hein, tout à fait. À la suite de Stéphane Diagana, en fait, hein, je crois bien. Et vous êtes venu ici, pourquoi, concrètement? Pourquoi? Ouais. Parce que, deux choses, c'est que déjà, on pousse vraiment pour parier les Jeux en 2024. Hein, la décision, c'est le 13 septembre. Et puis, en fait, on a tous envie que les Jeux soient une plateforme d'innovation, aller un cran plus loin, vraiment enrichir l'expérience spectateur. Et aujourd'hui comment c'est de travailler avec les startups, essayer de voir effectivement quelles sont les innovations qu'elles peuvent pousser et puis les aider à grandir. Hein. C'est dans 7 ans, mais dans l'échelle de temps d'une startup, c'est très très long. Il y a 1164 startups ici. Et ce que vous voyez peut-être derrière à certains moments, ce sont les startup meetings. En fait, il y en a 3500 aujourd'hui. Il paraît que le record du monde est battu dans ce registre-là. Taïkris, bonjour. Bonjour. Ça va? Bah super, super, super. Taïkris, pareil, alors là, c'est les sports extrêmes et le roller sur rampe. Là, vous avez tout gagné, les X Games, toutes les coupes possibles imaginables. Vous êtes le seul homme qui a sauté du premier étage de la Tour Eiffel et qui est encore là pour en parler. C'est ça. C'est quand même un vrai exploit. Et vous êtes aussi start-upper et on vous connaît bien comme ça en milieu du web depuis maintenant 2-3 ans avec Off. Vous avez lancé un système, en fait, de quelqu'un qui voyage beaucoup, qui s'est dit, il y a quelque chose à faire avec les mobiles, en fait. Hein. C'est ça, en fait, j'ai créé un... Alors, je sais pas pourquoi, c'est peut-être mon micro qui doit être... Attendez, parce que j'ai un micro, je vais essayer de parler dans l'autre micro. Non, je crois que c'est bon, là, vous pouvez parler dans celui-là. On va parler dans le premier. Un, deux, un, deux, en tout cas, c'est un... C'est mon micro qui... Attends. Je vais essayer de... Une seconde, je vais essayer de prendre... Voilà, excusez-nous, c'est en direct. Voilà. Ah non, bah c'est pareil. Alors c'est bon, bon. Ouais. En tout cas, non, ben voilà, j'ai créé cette société qui est un opérateur télécom, un jeune opérateur télécom. Donc on a une licence télécom dans une dizaine de pays aujourd'hui. Et c'est une application mobile qui permet instantanément d'ajouter un deuxième numéro sur son portable. Donc en fait, je suis parti simplement du constat qu'on avait tous deux boîtes mail et on n'avait pas pour autant deux numéros. Donc voilà, j'ai créé un système via une application qui s'appelle OnOff que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store et le Google Play qui permet d'ajouter un deuxième numéro français ou étranger en un clic sur son portable. C'est un numéro virtuel? Virtuel, oui, virtuel, pourtant tout à fait réel puisque c'est un numéro vraiment déclaré auprès des régulateurs, etc. Et qui fonctionne normalement sur le réseau traditionnel des opérateurs, etc. C'est un numéro voilà, qui respecte tout, la sécurité, etc. C'est pas mal quand on voyage, en fait. Ça permet de casser le fameux roaming, c'est-à-dire les tarifs qui sont extrêmement chers. Alors, on peut pas casser le roaming totalement parce que si on voyage par exemple en Australie avec sa carte SIM française, bah, automatiquement la carte SIM française reste en roaming. Mais c'est vrai que l'avantage à partir du moment où j'ai mon numéro français dans le cloud et qu'en Australie je prends une carte SIM locale à 10$, mon numéro français va devenir automatiquement local en Australie. Donc c'est vrai que c'est un avantage. Il y a plein de gens par exemple en France qui travaillent en Belgique ou aux États-Unis ou en Angleterre, donc qui ont peut-être envie d'avoir un numéro belge au prix local français. Mais donc c'est pas que pour les voyageurs, puisqu'on peut quand même prendre un deuxième numéro français, un numéro business, un numéro pour le bon coin, etc. quoi. Vous avez tous les deux participé il y a quelques minutes au premier workshop de la journée sur le thème start-up avec un S, acteur de grands événements internationaux. On se doute bien de quel événement international il s'agit, en l'occurrence, préparer le terrain pour Paris 2024. Qu'est-ce qui s'est dit globalement, Bruno? On va essayer de remettre le micro là, si c'est possible. Bon, décidément. Ouais, c'est... Maintenant que vous avez des muscles tous les deux, ça vous permet de faire de la musculation parce que c'est assez fou tout ce voilà. Non, ce qui est clair, c'est qu'à titre personnel, moi je suis beaucoup impliqué dans
dans les technologies. J'accompagne à titre personnel certaines startups à grandir. Et aussi au niveau de la Ligue nationale d'athlétisme, on est aussi féru d'innovation, voire un cran plus loin, comment on peut enrichir cette expérience spectateur. Non, le panel était intéressant parce qu'on avait des retours d'expérience, je dirais, très concrètes et pragmatiques de fondateurs de start-up, que ce soit Visivent ou Vertigo ou Aria Technology, qui ont travaillé dans le domaine du sport et qui ont pu faire partager leur expérience pour pouvoir pénétrer ces marchés. Puis d'un autre côté, une expérience aussi de consommateurs, de gens qui veulent enrichir les organisations sportives. On a eu un beau mélange et j'espère que l'auditoire a été séduit. On voit bien, notamment avec un incubateur qui s'appelle le Tremplin ici à Paris, qu'il y a plein de start-up qui peuvent aider les sportifs dans l'entraînement quotidien, sur les métriques notamment, sur la mesure, sur l'entraînement lui-même, et puis toutes les start-up qui aident à l'organisation des événements sportifs pour remplir les stades, pour aider à ce que ce soit plus fluide. C'est vraiment un changement total qui est en train de s'opérer là. Vous sentez ça, que vraiment le monde du sport, le monde événementiel du sport est en train de rentrer dans une autre dimension. Oui, c'est sûr. Alors, est-ce que mon micro marche à nouveau? Oui, on l'entend. Vous m'entendez? Ok. Donc oui, non, c'est sûr que la technologie, de toutes les façons, réinvente l'expérience de l'utilisateur, finalement, du spectateur, et donc la façon de filmer. On peut le voir, par exemple, au dernier JO, il y avait des caméras embarquées qui étaient vraiment sur le soit à la perche, qui faisaient suivre le sauteur dans sa descente, etc. Il y a plein de trucs comme ça. Et donc, j'espère qu'au prochain JO, toutes les startups vont apporter plein d'innovations supplémentaires pour arriver à vivre ces événements sportifs d'une façon différente. Bon, j'imagine que vous allez mouiller la chemise l'un et l'autre pour Paris 2024 un petit peu, non? C'est sûr. Ah, ça c'est clair. C'est clair. Ouais, ça, c'est un peu le lancement, c'est le débarrage du truc là. C'est dans 7 ans, mais ça se prépare maintenant en fait. C'est ouais, ça, on aura la réponse cette année, donc on croise tous les doigts. Ouais. Je suis quand même assez confiant parce que je pense que il y a un moment où il faut que Paris les ait. Et voilà, je croise les doigts, mais. Merci à Chris, merci Bruno Marie-Rose d'être venu nous voir sur ce plateau live. Vous continuez votre journée en rencontrant plein de gens ici. Et on accueille dans un instant ceux qui étaient avec vous justement dans le workshop à l'instant, les responsables de WizEvent et de Vertigo. C'est juste après quelques secondes où vous allez voir ce qui se passe en fait dans les startup meetings. Regardez.